Bonsoir tout le monde, nous comptons pour nous capables de rejoindre dans le cadre de la première sortie en Palais Sport pour la semaine là. Bien sûr, sous les touches techniques Kendé Jacques, nous saluons chaque ami qui en bas live là, et déjà son plaisir. Et pour nous capables de retrouver aujourd'hui, hein, nous parlons encore pour nous parler de la Coupe d'Afrique qui a fait chemin li, et c'est pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique là. Et qui a vu aujourd'hui, hein, n'a bien pour nous capable de venir et parler de ça. N'a bien tout pour nous regarder la grande forme de Vinicius Junior qui, jusqu'à maintenant, a montré vraiment d'ici un bon joueur, équipe Madeleine capable de compter sur lui pour la saison. Ça. Et n'a bien tout pour nous voir, et bien, et Coupe d'Espagne là, qui est censé arriver puisque. Et Coupe d'Espagne lui offre nous un classico. Real Madrid a bien pour le capable de jouer contre FC et Barcelone qui pas joué une grosse saison. Un FC Barcelone qui pas en forme habituelle, un FC Barcelone tout et qui a joué une saison et mi-figue mi-raisin. Mais tout, c'est un classico qu'on a joué. Et qui dit classico, dit et pas seulement Barcelone ensemble avec Real qui joue classico. Mais Brésil, l'Argentine, c'est un classique des classiques, chargé l'autre classico. Mais ça qui est important, c'est que, et tant d'instant, automatiquement nous dit classico ou pas bon ici, eh bien, en pile jeu, il a braqué sous. Et Real ensemble avec Barcelone, mais sincèrement, et c'est pour là un gros match, c'est pour le 12 janvier qui a pas venu là. Ben, et Xavi est déjà un plan pour capable stopper et Brésilien. N'a parlé de Vinicius Junior, monsieur qui gagne gros problème là pour qu'on ait est-ce que c'est. Et Aouye Ronald l'a mette sous couloir pour empêcher avec Vinicius Junior à l'aise. N'a pas rappelé et classique au seul fait là. Et Vinicius Junior pas trop de respect pour Oscar Mingueza. Nous t'es et Vinicius Junior l'était prouvé, l'était en forme. En fait, et Madrid Nio t'apprend et qu'on est une défaite en cas de premier match pour l'année 2022 contre Getafe, mais tout n'a mentionné avec absence de Vinicius Junior et yo t'a pral renouer avec victoire dans cadre et coupe du roi et qui t'a pral a fait et semaine qui s'est passé là il t'a pral battre soit 3 goals à 0 et des Militao t'a pral buteur dans et rencontre ça qui donc en pile l'autre joueur t'a pral buteur mais n'a souligné gagné et des Militao qui t'apprend le buteur, j'aime te dire, t'apprend le gain tout, et Toni Kroos, alors pas Toni Kroos, mais Isco à la compte qui t'apprend le shooter, puis ballon t'apprend le frapper dans le corps, goal cupé, match qui t'apprend le fini, et dans avantage Madrid et Nio, donc je dis, et bien, et même équipe ça, et qui t'apprend le, après Covid-19, ou bien, en quelque sorte, Vinicius Junior, t'as pour le tester et positif, et ben retour monsieur a li bénéfique pas seulement pour Real Madrid mais li bénéfique pour Karim Benzema parce que c'est une meilleur duo qui gagne et sous planète football là Vinicius Junior ensemble avec Karim Benzema monsieur mettez tête ensemble puis capable faire goal bien sûr non commencement Vinicius Junior a te gagne difficulté par rapport avec adaptation et manque de confiance et ben King Calovini monsieur prend Vinicius Junior monsieur refait jouer à tant qu'on pas ta modeler ou craser refait effectivement et King Calo monsieur refait Vinicius Junior elle fait le sens li certainement et non pas seulement dans sens li mais il balle pression tout l'aile sous terrain Vinicius Junior il t'a rapporté ça l'aile sous terrain dit hey sous pas vle descend nous et ben et gien l'autre monde qui capable jouer place soi qui donc faut qu'on capable prend responsabilité d'ailleurs et pour ça aussi Vinicius Junior qui était relaté après le match eh bien son façon pour et Carlo Ancelotti
capable motiver les jeunes brésiliens à savoir Vinicius Junior pour capable bien sûr mettre bail toutes les mêmes et toutes les mêmes pardon et dans ça il y a faire en fait c'est quand même un week-end qui était riche et c'est vrai pas de gagner et championnat non dans pays de l'Angleterre mais tu gagne FA Cup là qui t'a joué Arsenal eh ben sorti par la petite porte et contre une équipe seconde zone donc ça qui t'a fait gros tour les tours en Angleterre et Arsenal qui t'a pas mal commencé saison 1 mais t'a pas joué et vite si timidement si me pas trompé dit t'a pas trouvé en 4e ou 5e dans le classement dans ça gagne avec la première ligue anglaise voilà et n'a pas pour nous capable regarder coupe d'Afrique là madame monsieur qui a fait chemin là eh ben c'est une coupe d'Afrique qui t'appral et avec certainement une coupe d'Afrique j'ai l'impression année ça gagne plus motivation et dans coupe d'Afrique là parce que et c'est étonnant et par rapport avec ça qui a fait là comme si ouais monsieur voulait vendre l'Afrique aux autres gens moi même d'accord ça même le tout gain petite hypocrisie pas bon ici pas même pour ça et j'aime te dire récemment le c'est Copa América qui a joué ou bien Gold Cup et pas même Gold Cup si Haïti participer et Coupe d'Europe ou gain plus marché pressé ouais nèg boy si tu as fait tête chaud comme quoi et Coupe d'Afrique pas en compétition en tout cas et c'est quand même c'est discrimination arrivée trop loin et pour qui ça parce que c'est africain ou bien parce que gagne même couleur avec nous qu'on nous pral dim et parce que y a pas gagné superstar la donne pourtant gon plein de gros joueurs de bons joueurs et qui fait partie coupe d'Afrique ça comme toujours mais sauf que non seulement l'Europe ou bien gros médias internationaux yo boycotter compétition ça même tout nous aller dans même ligne ça nous boycotter l'Afrique comme quoi et alors t'as bien aimé qu'on excuse là ou bien prétexte qui dit que eh bien l'Afrique pas li représentable dans sa guerre avec football en fait t'as bien aimé ouais et côté aux jeunes ça mais ça qui paraît difficile là l'Afrique toujours bah bon joueur football d'ailleurs Samuel Eto'o c'est un ladeau c'est actuel président et football alors et la fédération des Camerounaises en football et monsieur qui vraiment prend rôle président monsieur visiter et tout et entraînement et Lyon redoutable monsieur présent dans match d'ailleurs compétition à organiser dans pays OK ça veut dire monsieur gagne une lourde responsabilité dans organisation là donc monsieur vraiment et jouer rôle président fédération hein monsieur pas seulement et chita sous et tribune la garde en bas mais plutôt venir jouer joyau mandé ça qui passé ça qui pas marché ça qui pas marché ça qui marche en fait moi c'est ça et c'est ça félicité mais tout son monde football en fait il y a monde qui va le dire ah oui c'est comme ça pour ça parce que c'est Samuel Eto'o en tout cas et monsieur l'Afrique là et Cameroun t'a pas bien commencé saison pas même saison t'a pas bien commencé dans groupe à ça par rapport avec l'autre équipe qui gagnait dans groupe ça et bien Cameroun t'a pas gagné 2-1 et c'est 2 qui t'a pas inscrit sous pénalité par Vincent Aboubakar qui t'a pas inscrit un doublé sous pénalité. Est-ce que c'est faveur au fait Cameroun? Non, moi gars match là vraiment t'ai gagné pénalité sous toutes les actions yo. Première action un, c'est Traoré et Traoré qui a joué en France et monsieur avec dos à distance, monsieur frappé porteur deux balles camerounais en pleine surface, pas de doute, vérifié dans le vent, pénalité, et deuxième dans encore, et son action presque pareil, en fait, il a été mérité ça, et Cameroun qui bien est commencé la saison, qui bien commencé dans le championnat. Voilà, et Coupe d'Afrique, là, je vous dis à gagner match toujours, je pense que monsieur fait exactement ça pour le faire. Les passer visiter demander avec chaque monde qui ça qui OK qui ça qui pas OK
Et faut nous dire tout, Messi était dans le match d'ouverture, Messi qui était déjà averti avec l'administration Paris Saint-Germain qu'il n'est pas présent dans le choc qui était opposé Lyon contre Paris Saint-Germain. Je me dis, pas présent, et même il y a trop de monde en Afrique qui est même, ben, c'est pour raison ça, moins supposé présent dans le cadre d'ouverture. Et 33e à Coupe d'Afrique là et 33e édition et Coupe d'Afrique là qui donc comme ici qui était bien belle à présent et dans sa cagayan avec d'ouverture et compétition sur ça en fait c'est une co-compétition d'ailleurs il y a joué 33e édition hein. En fait et c'est quand même une compétition qui commençait et il y a un paquet d'efforts qui fait même qualité d'image là et qui te gagne hein, et en fait qui compte gagner ma maillot nègre qui compte vraiment serré ça me tape garder yo améliorer yo parce que ça yo extrêmement important faut que l'Afrique capable de commencer vont l'autre signal bail l'Europe parce que pas trop loin faut que l'Afrique commencer voyons et l'autre signal bail l'Europe et pourquoi pas bail monde là pour vous montrer les organiser c'est organiser yo organiser bien sûr pour gagner l'autre match et ça qui est très important en Afrique parce que et tout au long de compétition ça n'a pas toujours parlé de lui n'a toujours parlé de Coupe d'Afrique jusqu'à ce que 6 février lui-même l'arrivée donc pas de doute de ça on va regarder ça que tu as gagné en Europe en Europe et tu as gagné plusieurs matchs qui t'a fait et faut nous dire nous parler directement en Espagne notamment et à Barcelone et côté qui t'a joué à contre la Grenade et mais c'est me dit Grenade ça qui pas me déranger mais c'est Grenada et qui et fait un goal pour tout ça avec le FC Barcelone en fait et Xavi grand paquet et faut pour le faire même Xavi tout après une conférence de presse je dis et chose que le gars gagne c'est que il pourrait gagner pour capable gagner faire une possibilité pour gagner Ferran Torres plus d'autres joueurs mais pendant Xavi était confiant malchance pour Xavi majorité joueurs qui étaient blessés ont testé positif dans le coronavirus et donc depuis Xavi prend un seul grain de soulier et d'ailleurs depuis près je compte une équipe et même le ça bon ça pas bon mais classico toujours respecté non yo mais même le Barcelone toujours t'es contre battre Wendy dit toujours t'es contre battre soit 6 ou bien 7 goals à 1 ou bien à 0 mais et yo au début ça a toujours pas retiré pas oublier son classico en fait Xavi qui et en pile joueur t'es déjà prévenu avec Xavi pour Xavi si c'est où on pas prendre route ça parce que route ça déchargé avec piquant Xavi t'es capable de prendre l'autre année pour t'es capable prendre trop non mais Xavi t'es quelque part précipité non et fait choix comme entraîneur FC et Bobo Solon même Jean lui soit resté averti Xavi Xavi si c'est où on prendre l'autre année parce que l'équipe là non seulement une crise économique qui a tracassé mais gagné une crise tout en investir oui Xavi c'est un monde qui capable alors qui était capable mieux placé pour venir gérer la crise là et en dehors terrain mais par rapport avec attaquant pour le attaquant au gagné il a besoin d'un ailier qui pour capable porter danger à tout le temps ça qui pour qu'on fait il a misé sur Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé, si je joue aujourd'hui, pas mettre espoir sur les demain. Et c'est un joueur qui est blessé à tout moment. Ça qui vient et compliquer tâche. Donc, coach Taku, Xavi, Hernandez, Cleus. Eh bien, après, et départ Cristiano Ronaldo en équipe Real Madrid, là, équipe ça a été une chance de gagner un joueur Taku Karim Benzema. Et qui est pour être capable de prendre le nom d'ailleurs, sans jamais qu'il ait dit ça déjà dans le sport, Karim Benzema pas de jamais subalterne, Karim Benzema pas de jamais un joueur et qui pas de contusion, non, d'ailleurs, dit contusion, non, comme comment manger au fait, elle a mangé le fier, ça veut dire que ça veut dire, et c'est pas un joueur qu'on exile, mais ballon fait goal, mais son joueur qu'on crée goal, même dans l'impossibilité. Là, m'a parlé de Karim Benzema et m'a capable de faire référence avec demi-finale Ligue des Champions
Real Madrid contre AT Madrid après 3-0 dans Allianz et 3 buts de Cristiano Ronaldo retour t'après gagner et Coutinho qui t'après et renverser situation où tu déjà mené 3 buts à 0 sous Real Madrid ça qui était synonyme d'égalisation eh ben Karim Benzema t'après nos gros actions t'après illustrer et permettre avec Isco Alarcón t'après et permettre avec Madrilène c'est vrai t'es perdu 3-1 mais green goal ça t'es levé tête yo qui donc Karim Benzema après départ Cristiano Ronaldo c'est meilleur buteur équipe ça avec 109 goals ça c'est pour après Cristiano fin quitter l'équipe là pour rejoindre Juventus Turin et deuxième joueur après Cristiano Ronaldo qui fait plus goal pour Real Madrid, c'est Vinicius Junior avec 29 goals. Et Sergio Ramos parti pour Paris Saint-Germain, 28 goals. Et Asensio, 23 goals. Gareth Bale, 18 goals. Gareth Bale, et grosse tête te prend. Il dit oui. Donc, avec Cunha, avec ce Cristiano, nous sommes équipe, nous pouvons bien jouer. Et nous sommes un pays confortable où regarder mon page pour mon etc. Là, c'est maintenant tête moins. Que Gareth Bale pourrait faire une gros saison. Pourtant, Gareth Bale te fait une saison et presque et dans l'infirmerie. Mais le récit, Gareth Bale, pas de même gagnant assez de temps et pour être capable d'exprimer les sous-intérêts. Parce que là, et Real Madrid, et c'est certainement pour être capable de séparer de Gareth Bale. Pendant juin à privé là qui donc Gareth Bale monsieur Claire tout je dis si et pays d'égal tout pas qualifié pour Coupe du Monde eh ben là bien pour capable mettre en bout avec Kageli ça nous connaît il paraît un petit crasse difficile par rapport avec façon eh ben jouer au même il apprend retraite non joue ça et puis AT Madrid, de bon côté, pas fait deux goals pour tout avec, il n'a pas là de sous-marin jaune et Villarreal, ça qui vient et permettre avec Madrileño, pas trop à l'aise, mais Vinicius Junior qui t'a fait deux goals pendant le week-end, Karim Benzema deux goals, Vinicius Junior t'a fini meilleur joueur match là. Et match qui d'abord finit 4 goals à 1 et ça qui permet avec Real Madrid eh bien toujours gain et classement et pardon tête classement mais c'est avec 5 points sous équipe Valence là et qui donc Madrilène eh bien yo a montré vraiment yo capable aller gommer et pour capable gagner et tout fait hein. C'est saison ça même donc on est saison 1 qui pas fin qui pas très très longue dans mes madrileños puisque yo gain février qui a prétendu face à un gros morceau qui c'est et Paris Saint-Germain et qui a prétendu là ah ben et Paris Saint-Germain qui a prétendu donc ça qui va être extrêmement important yo pas gain droit faire erreur eh bien, et ça qui peut paraître extrêmement important pour un joueur et tant que Vinicius Junior pour le capable d'être dans le top niveau. Eh bien, j'aime dire c'est 49 points pour Madrid Grignano qui vient en première position. Séville 44 points, ça veut dire qu'il y a 5 points qui séparent. Betis qui a fait une très 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 bonne saison. Il y a 34 points, il vient en troisième position. AT Madrid avec 33 points, le quatrième. Pour les fans du bassin, le sixième. Barcelone qui a monté, le sixième. Barcelone, pas gagné. Est-ce que Barcelone gagne match en retard? Il gagne match en retard. Et Barcelone gagne match en retard. Et si bien comprendre là, Barcelone gagne match en retard. Voilà. Et c'est comme ça. Eh ben, et ça y est, au niveau l'Espagne. Pas seulement l'Espagne qui te gagne match, puisque tu gagne match tout dans le pays d'Italie. Milan AC et qui t'a joué avec un doublé de Théo Hernandez, monsieur qui vraiment est non forme sérieux, et gagner plusieurs joueurs Real Madrid capable de regretter. Il y en a d'ailleurs, c'est Théo, c'est vrai, Théo pas
pas affiché vrai visage li, mais les jeunes comme ça ou gain pour capable jouer une passe ensemble avec yo. Zidane pas de passe pour te conserver Théo, il fait Théo aller de même pour Hakimi, il fait Hakimi aller et puis vingé et Sergio Regulon qui a venu, les Zidane venu qui s'avait, il dit voyez Regulon aller qui donc se te font grosse saison avec Séville. Automatiquement, monsieur vient faire grosse saison ça avec Séville. Monsieur retourné à Madrid, et ben dit Van Tottenham ni qui donc pour qui ça pour acheter Ferland Mendy. Ferland Mendy son joueur à caractère défensif moins bago que problème à Ravel sur le plan défensif, mais techniquement son joueur pas capable qu'on compter sur lui et qualité centre lio et c'est extrêmement difficile par rapport avec qualité centre et Ferland Mendy. Donc bosser ni Théo ni Sergio Regulon, c'est une ladeau que tu es capable d'utiliser et ça que tu aimes non yo parce que Marcelo Junior pour retrouver Brésil d'ici juin, ben yo pral besoin yon l'autre latéral gauche de métier pour capable supplier un joueur tant que Ferland Mendy. En tout cas, et ça qui me pense là, Milan c'est joué Goku et déjà Milan a parlé en pour parler ensemble avec et Théo pour dans qui mesure il capable pour le jeu contrat Théo Hernandez pour la saison qui a venir là. Eh bien, il t'a pas battre et Venezia 3 goals à 0. Faut nous dire gagner Romero argentin qui a joué dans et Venezia. Monsieur Vini là qui a pris 3 goals clés dans même Milan AC dont Zlatan Ibrahimovic t'a pas l'ouvrir score et t'a pas gagner Théo qui t'a pas mettre deuxième goal là et même Théo ça t'a pas sur action troisième goal là joueur t'a pas main le ballon avec main. Eh bien tout monsieur campé qui était Théo et bien et mettre deuxième goal dans match là monsieur t'a pas inscrit deuxième goal là sous penalty. Donc ça qui te paraît extrêmement intéressant. Et non match fou, tu as gagné Juventus Turin qui t'a pas gagné difficilement et équipe AS Roma 4-3 AS Roma qui a boué l'huile José Mourinho, monsieur qui et spécial Roma qui pour capable sortir tête là. Pourtant il était bien commencé, et ben aussi c'était bien compté, mal calculé puisque là et plusieurs équipes qui montraient plus en forme par rapport avec AS Roma et yo montraient que yo solide et t'apprends gagner tout et Inter Milan qui bat et la Lazio de Rome 2-1, ça qui fait Inter Milan reprend tête championnat et devant équipe Milan AC, mais c'est pour un point. Inter gagne 49 points, Milan AC qui gagne 48 points et Napoli gagne 43, le troisième. Atalanta Bergame qui gagne 41 points avec les venir en quatrième position. Juventus Turin, le cinquième avec 38 points. Lazio est 32, le sixième et puis gagne AS Roma qui vient en septième position avec 32 points. Donc OSC équipe tête peloton yo qui occupait tout espace là, mais tout faut nous dire il s'agit environ 3 l'année là depuis Atalanta Bergame a offri un football de qualité dans pays l'Italie. Et puis dans pays la France te gagné un choc olympique lyonnais contre la formation mais parisienne de football. Et yon gol pour tout, c'est Paqueta, monsieur qui était mis là, c'est monsieur Alnanyon. Vraiment, et monsieur qui montrait vrai visage lorsque il est dans Lyon. Et monsieur a joué tant qu'un véritable maestria. En fait, c'est intéressant. Paqueta, c'est un joueur à sélection brésilienne de football capable de compter sous les. Eh bien, pour la prochaine Coupe du Monde Cap gagné pour venir là d'ici et novembre 2022, c'est pour la Coupe du Monde qui parle est tout à fait spéciale par rapport avec Jean et sa icône fête. Et puis, gagné, madame, monsieur, ça qui passe là, ma carrière de Ter Stegen, monsieur qui parle gagné pour capable jouer 200
et match li ensemble avec le FC Barcelone. Et pour 200 matchs, monsieur prend 198, alors 188 goals. Et c'est trop, 288 goals. Alors, et monsieur prend 188 goals dans 200 matchs. Et Daniel Alves, monsieur Vini, joueur qui plus vieux, qui disputait et un match dans la Ligue ensemble avec Barcelone, c'est 38 ans, avec 242 jours pour Dani Alves. Et donc, c'est contre Grenada, il était joué match cela. Et puis, dans ce cas, il y a eu avec l'autre information, puisque le marché de transfert à la tour qui a bougé, le marché de transfert hiver venant là, il y a plusieurs autres joueurs qui ont changé de direction. Nous tous connaissons Philippe Coutinho, qui était obligé de quitter Barcelone pour aller dans Aston Villa. Et ça, Aston Villa font beaucoup. Il y a tout Kylian Trippier qui rejoint West Ham. Et, alors, pas West Ham, mais Newcastle. En bas, c'est ça qui va venir renforcer le championnat d'Angleterre. Et certainement, le championnat d'Angleterre a toujours une plus belle, plus gros championnat qui gagne à travers les 5 championnats majeurs européens. Eh bien, et c'est quand même extraordinaire puisque gagner dossier à l'an et grand pile oui mais tout sous tout dossier ça gagne oui mais t'as fait quoi que monsieur et pas envisagé pour t'aller ni dans Barcelone ni dans City ni dans l'autre équipe que Real Madrid sauf que Nathan Raiola qui c'est agent joueur et son agent très cher Nathan agent joueur pour nous capable connaître qui destination finale eh ben Alan a bien pour capable prendre d'ici saison qui a venir là en fait gagner et information qui a circulé et Zidane pour capable nouvel entraîneur et Paris Saint-Germain d'ici juin 2022 selon journaliste Daniel Riolo qui t'a relaté information. Pour rappel, même Griolo t'a annoncé Messi en 2020 en équipe à Paris Saint-Germain. Depuis 2020, M. t'a annoncé Messi en Paris Saint-Germain. Effectivement, ça t'a fait. Et M. a annoncé Zidane pour jouer ça même et notre tête à Paris Saint-Germain. En tout cas, n'a pas regardé est-ce que Griolo a gagné et toute source information dans mail donc ça lui paraît extrêmement intéressant par rapport avec et coach qui a changé de direction et coach qui était en pause qui peut retourner travail et Paris Saint-Germain qui gagne Ramos qui gagne et Kylian Mbappé pour probablement qui capable rejoindre Real Madrid d'ici et d'ici et juin qui a pas venir là. Nous connaissons Zidane, ce sont stratégies, les gars, paroles pour capable convaincre n'importe joueur. Mais tout, si Zidane ça tout dit, le pape servir avec, il y a des gens qui ont pour le faire, les servir avec tel ou tel joueur qui peut être dans le plan. Parce que, est-ce que Zidane est capable de démarrer ou bien stat équipe par Paris Saint-Germain ça? Même je le monde dépassé, c'était un Paris Saint-Germain qui t'a pris le marché battre tout le monde. Même je s'attendais avec Real Madrid qui t'a pris le champion trois fois Ligue des Champions une cola à Clotio. En fait, c'est ça mon obtenu. London connaît Paris Saint-Germain, Game Messi, Game Mbappé, puis le Game Neymar là-dedans, sans compter l'autre bon joueur qui est rejoint. Ronaldo, pour moi, se fait tête des plus gros mal qui existait. Ou nous, équipe, on gâte un cut en avait avec l'équipe là qui c'est Liverpool. Ou a fait victoire, ou a propre trophée. Et bon, je comprends les cas, je joue avec Messi, je ne peux pas écarter la possibilité ça, mais l'objectif là, c'est de venir remporter plus de trophées, l'équipe qui est en cut, et d'ailleurs, où c'est un pilier qui gagne en terrain, l'on choisit, et bien, craser, et un statut comme ça pour rejoindre Paris Saint-Germain, côté Covinil pour et Bildu font chita poser suivre comment ça y est donc ça qui paraît extrêmement difficile par rapport avec Ronaldo qui a envie jouer mais dommage envie jouer
qui est pas arrivé trop loin, puisque et ceux qui sont capables de décoller. Et nous allons finir, nous allons finir pour nous dire que eh ben gagner là est pas mal de et pas mal d'éloges qu'a fait bon côté équipe Madilène. Non d'ailleurs yo en forme, vraiment yo en forme. Et Vini, nous allons finir pour nous dire Vinicius Junior, monsieur, est-ce que nous capable dire et nous capable faire échanger ensemble avec moi en bas commentaire et en nos commentaires en bas live là. Est-ce que désormais Vinicius Junior, monsieur, c'est maître équipe ça ou bien c'est Youn nan maître yo, puisque les Karim Benzema pas là, il prend responsabilité, il fait exactement ça pour le faire. Hein? Parce que monsieur, il pas mérité plus en équipe Real Madrid là. M'a parlé de Vinicius Junior, monsieur gagné pour la joue là dans et Super Coupe d'Espagne là contre ennemi jurien qui c'est Barcelone. Contre Barcelone, nous pour regarder qu'est-ce que tout bon vrai et l'autre qualité ou pas qualité, l'autre avantage monsieur Bay équipe ça automatiquement lui dans match au senti danger à venir plus rapide, les techniques, les gains vitesse et finisseur commencer à venir. Si monsieur Tavine gagne, ils ont fini son même j'ai avec Léo Messi, maman petite Marie Setti. Merci ensemble avec Kenneth qui a mis un bouton pour nous. Merci avec chaque ami qui est en bas live là, qui t'a pas commenté. Ensemble, merci avec vous. Rendez-vous en Ségal pour demain, si Dieu veut. Pour l'autre numéro, on parle sport. Mais fois ça, c'est pas avec Sony Eliatus. Pour ça, tout le monde.